Coudonc, c'est quoi ça? Salut tout le monde! La motoneige, c'est fini. Là, on est. Moi, je vais faire du VTT, du 4x4, la montée pédestre. Puis là, aujourd'hui, ben, on va aller à Mascouche. C'est une trail qui est entretenue par les randonneurs. Ouais, c'est ça, randonneurs. Fait que, OK, bon, on va aller voir ça. C'est une petite trail de rien là, pour ma première ride cet été. Ça va me donner un petit avant-goût que ça a l'air. OK, c'est parti. OK, go! Bon, il y a toutes sortes d'indications ici. Pas le droit à pied. Pas le droit de cheval, pas le droit de moto, de tabarnouche. OK, c'est vraiment juste pour les quatre roues. On y va. Je pense qu'on va le mettre sur quatre pattes. On va essayer. J'ai bien fait d'emmener mes bottes d'eau. Là, c'est pas pire à date, mais ça peut être pire. Checker quelque chose. OK, c'est bon. Je pense que je vais mettre mes bottes d'eau. Mais tu sais, c'est l'eau aussi.
Il y a plus d'eau que je pensais. That's very good! Oh, tabarnouche, j'ai-tu bien fait de mettre mes bottes d'eau? Wouhou! C'est ça que ça a l'air, la trail de Mascouche. Ça sur le 4. OK, on remet ça normal. Je pensais pas que c'était pour être beau de même pour un petit trail.
pas, mais il a fait un stop. De toute façon, pas de trafic aujourd'hui. OK, il y a une indication comme quoi qu'il y a une intersection, on ne voit pas ça. Je vais vous montrer les environs un petit peu. OK, là, on est dans l'intersection. On va aller voir qu'est-ce qu'ils disent. Rue Ferrand-Saint-Philippe, vers les Bourques et sentier vers nous. Ah, on s'en va à Saint-Roch, 16 km. OK, on se rend. On va aller à gauche. La trail qui est juste là. Puis on reviendra tout à l'heure pour aller faire cette trail-là. Ça, c'est montée du domaine, on arrive de là. OK. On va aller voir ça. On retourne sur le VTT. Ouais, je l'avais toute la vie tout à l'heure. J'ai du gaz en masse, une pelle si je respire, un spare. Je suis bien équipé. Avec mon GPS. Et ma petite caméra GoPro. Là, je filme avec un autre, là. OK. On se reçoit là-dessus. Il s'en va vers Saint-Roch de l'Échiquan. Déjà? Oh! Aïe! Aïe! C'est pas plus long que ça! Oh! La trail, elle sera pas longue! OK, on va aller visiter ça, ce refuge-là. OK. On débarque. Coudonc, c'est quoi ça? Un aéroport. Ben oui. Je vois le drapeau là pour indiquer la direction du vent. Ah ouais. On va aller voir qu'est-ce qui est marqué. Au
Au-delà de ce panneau, sentier interdit, sauf en période hivernale. S'il vous plaît, respectez les propriétaires. C'est sûr. On va aller voir si c'est ouvert. Maximum 6 personnes. Carte de membre obligatoire. Voyons voir qu'est-ce que ça a de l'air. Ah, wow! Hey, tu peux te chauffer en hiver quand tu fais du quatre-roues l'hiver. Il y a du bout de chauffage fourni. Yes! C'est quasiment intéressant de venir l'hiver. Et moi, l'hiver, je fais de la motoneige. Quoique, c'est pas si les skidoux passent ici. Ouais, il y a de quoi chauffer ici. Ouais, c'est bien. On peut mettre nos casques là-dessus, le linge. Bon, mais on repart. Ça fait pas assez longtemps que j'en fais pour prendre un break. Là, je vais arrêter la caméra. Puis on va reprendre à l'intersection. OK, là, on est à l'intersection. OK, on continue. Où est-ce qu'on était rendu? On était à l'intersection vers Saint-Roch-de-Lachigan. On est revenu de Saint-Roch-de-Lachigan. Qui est à gauche, là. Puis là, on continue la trail jusqu'au bout. Je pense qu'il n'y a personne qui me suit en arrière parce que je fais de la poussière.
Il est fort, le 4 roues. Hop, on va faire un petit bout de sa route. On a le droit sur l'accotement. Ah, on traverse. Ça recommence ici. C'est vraiment pas loin. Et ça continue. Cul-de-sac déjà, ça achève. Oh, c'est vraiment pas une grosse traîne. Oh. Pas grave. On va se reprendre sur d'autres trails. Ah, il y a un petit bout encore à faire. Ah, on va filmer un petit bout, ça c'est beau. Un petit break, mais on va montrer le paysage. Hop, oh, ben tabarnouche, je viens de voir quelque chose. Une tortue. Hey, Nick, c'est pour toi ça. Oups, elle se cache. On ne pourra pas la voir marcher. Elle se protège. OK, on va checker le paysage. Nous autres, on arrive de là. Moi, j'ai bien fait de mettre mes bottes d'eau. Je peux le dans la boîte, là. Ouais, une petite trail, mais c'est beau. Je pensais pas qu'il y avait ça à Mascouche, moi. Ah ben, Colin. OK. C'est assez. Ah, mais crème, la tortue est déjà... Ah non, elle est là. OK, on continue. Youhou!
Ah, c'est la fin! C'est fini! 100 pieds fermés, on est au bout. Il y a une trail à droite, mais c'est interdit, moi je prends pas de chance. On va quand même au moins revirer là. Bon, ben c'est là que ça arrive, moi je refilmerai pas le retour. Ok, on va aller voir que ça a l'air la trail du haut des airs. C'est un petit bout. Ok, ça c'est l'entrée de la trail. Avec les arbres, on voit pas grand-chose. On voit qu'il y a un petit espace, là, mais pas plus que ça. Ah! Ça se dégage ici. On va voir suivre un petit bout. On va monter plus haut, là. Je sais pas où ce que je suis rendu, là. Ah, on voit rien. Il y a trop d'arbres. On a une belle vue de où est-ce qu'on est stationné, en tout cas. Au moins ça.